Nantes. Mais dans l'immédiat, dans votre Corsicazère, le mauvais temps et ses conséquences. 1700 foyers sont toujours privés d'électricité sur les reliefs en raison de la neige. Elle a aussi provoqué des blocages sur le réseau routier, principalement dans le centre Corse. Dans le reste de l'île, il a plu en abondance. La météo devrait connaître une accalmie à partir de ce soir 22h, c'est ce qu'indique la préfecture. Mais pour l'heure, la Haute-Corse est toujours placée en vigilance orange pour les risques de pluie et inondations et de neige et verglas. Le département a enregistré de fortes précipitations toute la journée et c'est dans le centre de l'île que la situation est la plus critique. Il est tombé jusqu'à 50 cm de neige localement. 4500 foyers ont été privés d'électricité. Le courant a été rétabli chez près de 3000 abonnés. Des villages du Bauge, du Nuol et de la Castaniccia ont été bloqués par ces intempéries. C'est là que se sont rendus Maya Gradiani et Robin Droulez. En Castaniccia, la neige a fait tomber de nombreux arbres sur la route. Pour accéder au village, pas le choix, il faut dégager les obstacles. On est monté pour voter, bon, on ne s'attendait pas tout à fait à cette neige, à une telle épaisseur. Bon, on n'est pas trop équipé, on a une petite hache pour couper les branchages. Mais oui, on va y aller, on est presque arrivé, on va à Felge. On y est presque. Vous espérez dégager ce gros tronc d'arbre avec cette petite hache? Juste la pointe pour permettre aux voitures de passer. Un peu d'huile de coude et en moins d'une minute, le passage est ouvert. Cet habitant de Pédipartine et sa hache arrive juste à temps pour dégager les dernières branches et fignoler le travail. Il faut dire que si on a l'habitude de la neige. Impeccable. Quasiment tous les ans, on voit ça. Donc bon, c'est beau, mais on est habitué. Le plus embêtant, c'est pour ceux qui ont les bêtes, et les cochons, les vaches et tout le reste. Sinon, après, nous, on fait avec. Donc vous n'hésitez pas à prendre la route? Non, on prend la route et puis bon, on a les 4x4, moi je suis équipé, on a les chaînes et tout. Comme je vous dis, on a l'habitude, donc ça va, on gère. Toute la journée, les chasse-neige du département ont sillonné les routes en Castaniccia et dans le Bauge. Par certains endroits, il est tombé jusqu'à 50 cm de neige, mais aucun village n'est resté enclavé. Le problème, c'est plutôt la qualité de la neige chargée en eau. Une neige lourde, collante, donc qui a pour effet de tomber sur les arbres et de faire chuter les arbres. Donc il faut couper les arbres, donc ça rend l'intervention plus longue. Et puis ça aussi, sur certaines communes, l'effet de toucher les fils électriques, hein, des réseaux électriques. Au plus fort de l'événement, 4500 foyers ont été privés d'électricité. À 17h30, EDF n'en recensait plus que 1700. L'épisode neigeux devrait s'arrêter en fin de soirée. En politique,